Et alors, mes petits chocobos. Et coucou aux arrivants. C'est parti pour la découverte de l'alpha de The Tribe Must Survive. Merci à ceux qui sont restés avec nous. Alors. Ok. Bien sûr, c'est une early, donc c'est en cours de travail, bien évidemment. Ok. À tout à l'heure, Julien. Et merci à ceux qui pensent à laisser la petite lurk. Ou super canard, comment ça va? Alors, je sais pas s'il est en QWERTY ou pas. On pourra éditer les cartes. Whatever it is that lurks in the dark, it was about to get us. Everything happened so fast. Many were taken before we could sound the horn. The fire was our only hope. We had stocked up wood and food and everything else, but we had not prepared against the shadows within. When tension turned to carnage, we fled into the night. Aimless we ran, for days, through a blur of darkness and fog, death all around us. When suddenly, the fog lifted, and the light came back. At least for now. Those shadows will return. Prepare. We have to survive. Ok, donc ils ont été attaqués par des ombres, ils ont réussi à s'enfuir, mais en gros, on doit se préparer à être attaqué de nouveau. Ça commence bien. Ça commence bien. On va tous mourir. Bon, en même temps, le jeu s'appelle The Tribe Must Survive, donc la tribu doit survivre, simplement. C'est le week-end. Ah, qui est cool ça. Oula, il y a énormément d'infos. Alors, on a le jour... L'acte, la population, l'influence, les points de recherche, le bois, la nourriture, la pierre, la médecine rouge. Où je suis, mais j'y suis. J'ai l'impression que ça bouge tout le temps, mais c'est la brume. Alors, on doit placer un... Ok. Bienvenue dans le tutoriel. Pour les basiques de construction. Tous les camps ont besoin d'un stockpile. Ah, donc c'est un endroit pour manger la pierre et le bois. Ok. Trouver un bon coin. Comment tu veux que je trouve un bon coin? Il y a que de la brume partout. Est-ce qu'on va y arriver? Stockpile, c'est ça. Il me faut des planches. Comment je le pose? Le problème des alphas, c'est très complexe à chaque fois. Là j'ai building, mais... Après peut-être qu'il faut que je descende pour voir ailleurs. Attends, c'est un QWERTY, ça m'étonne pas. Ah, parce que j'étais pas sur mon camp. Ok. C'est bien ce qui me semblait. Alors, c'est pour ça que je pouvais pas placer ça. Alors, je... Du coup, comme je suis heureux, j'ai récupéré du bois. Ok. Un truc pour le bois et la pierre, on va le mettre entre les deux du coup. Comme ça, il y a la pierre, il y a le bois. Ok. Maintenant que la tribu a construit cette chose, nous pouvons produire tout ça. Le bois est la plus importante des ressources en début de jeu. Parce qu'elle est importante pour les constructions, mais aussi pour le feu. Parce que si c'est éteint, c'est la misère, on est mort.
Lost Lumber Camp. Donc ça c'est quoi? Ah c'est des camps pour... Ah c'est des camps pour... couper du bois. Ok. Donc les bonhommes, ils y vont d'eux-mêmes. Ok. Coucou Zorbinator, comment ça va? Alors voilà, c'est, il est classé horreur à cause de l'ambiance. Bon, le seul truc que vous voyez pas, c'est derrière la barre du petit chat. Voilà, c'est qu'il y a des ressources encore. Il y a or, copper, reliques et la population locale. Il me dit qu'il y a 3 membres qui ne font rien. Effectivement, ils sont là. Alors, le The Granary est l'endroit où est stockée toute la nourriture. À une tribu affamée non la tribu affamée va aller là-bas pour manger, ok. Là c'est un endroit où ils peuvent atteindre facilement, ok. Bah, au-dessus du feu. J'ai pas assez de ressources, c'est combien? Ah ça commence bien. Comment je fais pour... J'ai un bonhomme qui est mort. Moi je suis dans la merde. Attendez, je suis au tuto. Je sais pas comment je rallume le... Y a pas assez de bois pour... D'accord. Et moi je sais pas comment ils font. Allez plus vite, hein, il faut plus de bois. Et ça commence bien, j'ai déjà perdu 3 bonhommes. J'ai 3 bonhommes qui sont morts. Ça commence bien. Ce tuto, bordel. Merci à Greenwich pour le follow, bienvenue. Comment vas-tu? J'ai même pas le temps. 52 bois. Allez couper plus vite. Ah oui, je peux avancer le temps. Ils vont mourir avec moi. On produit pas assez de bois, mais j'y peux rien, moi. Peut-être qu'il faut que je coupe. Comme c'est la journée, peut-être que je coupe le feu. Ça consomme du bois. Feu. Donc forcément. En général, la première partie, de toute façon, sur ce genre de jeu, c'est la mort. Hein, ouais. Alors, je peux enfin faire un truc où ils peuvent manger. Le hall de chasse produit la nourriture. Le camp de chasse est souvent très loin du feu. La corne de nuit peut être utilisée pour les rappeler à la lumière la nuit. Comment on rappelle les gens à la lumière? À part la... Je sais pas comment les petits bonhommes, ils veulent pas rentrer la nuit. Bon, à mon avis, on va mourir, on va devoir recommencer.
C'est un peu dur comme tuto. Il devrait donner un peu plus de bois au début parce que c'est un peu compliqué. T'as même pas le temps de lire le tuto, t'es mouru. T'as tenu combien de jours? 3 jours. Comment t'as fait? Je sais pas. Je suis mouru. De toute façon, même si j'allume la lumière, ils vont pas venir au camp. Ah, mais j'en ai un qui est mort. J'ai plus que 2 gens. J'ai plus que 2. Alors, les tentes sont là où peuvent se reposer. Et comme j'ai 2 persos, il me dit de placer 2 tentes. Chaud, hein. Ils vont tous dans la même tente. Oh bah bravo. Je pense que je suis bonne pour recommencer, hein. Pas recommencer. Bonjour, j'ai tout cassé. Ah, c'est là. C'est pour les appeler à la lumière. Mais ils peuvent pas commencer par ça, le tuto. Ils vont jamais travailler. Oi 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 oi. Ils sont partis dormir, mais. Ah, va bosser un peu. Parce que là, en gros, ils vont sortir, il va refaire nuit. Voilà, qu'est-ce que je disais? On n'a pas de bois. Ça pue du cul. Est-ce qu'on peut recommencer? J'aimerais bien. Whatever it is that lurks. Ça, on peut passer. En fait, on va faire pause au début, hein? Parce qu'en fait, c'est ça le jeu, il te met une lecture directe et t'es niqué. Alors. On va mettre un truc là. Voilà. On peut tourner. Oups, c'est pas ça. Ouais, c'est R. Ça. J'aimerais bien faire une déco jolie, mais je crois qu'on va oublier pour le moment. Ou alors je mets là. Yeah. Voilà. En fait, il faut vraiment faire pause direct. Hein. En fait, il y a déjà assez au début, mais comme le jeu il se lance. Ah bah ça va mieux là. Là ça pue déjà moins du cul. Hein. Là ça pue du cul mais violent. Ouais, c'est gestion, stratégie, horreur ouais, un peu. En fait au début j'avais assez pour tout. Presque. Donc là...
Moi aussi, s'il fait jour. Donc ça, si je clique, c'est qu'ils vont au feu. Si je clique... Ok. Et pour moi, il fait toujours nuit, alors... À quel moment il fait jour ? Là, il y a marqué un message qui me disait qu'ils étaient dans l'obscurité. Jour, c'est bon, il n'y a pas eu de mort. Ah. Ouais, j'aime bien la patte graphique. Enfin, le choix utilisé. Ah, et là, il fait bien le jour. Ah, il fait bien le jour. On se comprend. Par contre, lui, il va pas chasser? Ah non, j'avais pas encore assez de bois. Ok, on va pouvoir mettre une truc de chasse, mais j'ai pas l'impression de voir des animaux, alors on va le mettre là. Après, il faut des tentes pour qu'ils se reposent. C'est combien une tente? Je peux en mettre des... Non, c'est pas ça, c'est... C'est 12 une tente. C'est 12 une tente. Après, il faut aussi de la lumière pour la nuit. La fin du tutoriel. Ok. On est dans la merde. Sauf qu'il peut. On va se démerder. Alors, on a quoi? Ça c'est pour la pierre. 80. 80 pour faire de la pierre. Oh la vache. Ensuite, on a quoi? Je sais pas, ça stoppe l'eau. C'est des ponts pour l'eau, peut-être? C'est des plateformes d'exploration. Pour découvrir une nouvelle zone. Ah bah, ce genre de jeu, en général, c'est assez difficile. Et là, ce qui rend le plus difficile, c'est que c'est en anglais. Mais bon, c'est normal, c'est l'alpha. Après, je sais pas s'il est sorti en français à la fin, hein. Je sais pas du tout. Il est pas encore... Il y a pas de date de sortie, rien. Hein. Enfin, j'ai pas trouvé, hein, pour le moment. Alors ça, c'est pour satisfaire le besoin spirituel de nos petits bonhommes. On rappelle tout le monde près du feu. Non, je choisis. Ah, c'est là. Il y a l'heure où vous voyez pas, mais il y a l'heure où vous commencez à. En fait, il y a un truc automatique que je viens d'activer. Donc, à 20, ça, le feu s'allume de 21h à 5h du matin. Ah, il est là le cycle. Je cherchais où on voyait l'heure.
Apparemment, ils disent que la nuit est finie. Donc là, tout le monde retourne à son truc. Après, on peut vite faire pause hein, aux épis, ça se passe, c'est bon. C'est cool. Et Roger Martin. Lui, il chasse là. Après, il y a des trucs pour. Avancer. La requiert acte 1, 2. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour produire la nourriture. Des fermes. C'est des champs. C'est pour faire une sorte de feu, mais il y en a déjà. Ça, c'est pour faire un deuxième feu. Enfin, une mine de or, mais ORE, je sais plus c'est quoi déjà en français. Un truc d'escalation pour des reliques. Mais je pense qu'il faut d'abord faire les basiques avant de faire les avancées. C'est pour faire une petite lampe, c'est pas... Ils disent que ça vaut pas un feu de camp, mais c'est toujours mieux que rien. Ça, c'est pour faire une ferme de champignons pour la médecine. Un champ d'herbe pour la médecine. Et ça, c'est pour faire des échanges avec des passes. Apparemment, il y aura peut-être des gens qui passent pour faire du marchandage. Et ça, c'est pour faire une fournaise pour faire fondre pour faire des lingots, quoi. Vous voyez, le truc habituel. J'ai juste un ordinateur, un niveau de plus. Donc là, je voulais faire quoi? Mais par contre, je sais pas comment ils font des bébés. Je pense que le but, c'est de faire des bébés. C'est pas le but, c'est pas d'avoir plus de gens. Non. Je sais pas. Ça peut pas... Ah, il faut pas poser carrément dessus. Ah oui. Ah non, mais le truc pour automatique, c'est pour appeler. C'est le truc qui appelle automatiquement. Ok. C'est pas le feu qui s'allume automatiquement. Ah, il nous dit qu'on a presque plus de bois, mais ils en font quoi? Après, le bois est assez loin. Là, tu vois, il peut éliminer parce que c'est encore assez proche. Après, il y a je pense que Fire Radius, c'est que plus je mets du bois et plus la lumière elle va loin et plus on peut farmer, mais même la nuit, mais... Le problème, c'est que ça consomme plus aussi. Enfin, j'ai l'impression, mais... Là, j'ai plus que deux planches. La nourriture, ça va. Ah, et voilà, il y en a un qui s'est fait bouffer. Ah, mais si, ça s'est agrandi! J'ai 8 personnes. Vous avez vu comment il s'est fait choper le truc? Ça m'a fait bizarre, hein. Je vais essayer de mettre plus de... Ah mais il faut d'abord du bois. Plus de gens au bois. Hein. Il y a deux membres qui font aucun boulot. Les deux là, ils servent à rien, vous voyez. Je vais faire aller un peu plus vite. Bon, on va mettre un là.
après, bah voilà, après ça devient du farm un peu, mais... Voilà, comme ça tout le monde a un boulot. Ça, c'est quoi ? Influence. Et après, bah, faut voilà, le but du jeu, c'est de survivre le plus longtemps. Alors là, on est à l'acte 1. Donc, je sais pas sur l'alpha s'il y a plusieurs actes, mais il y a quand même, à mon avis, des petites histoires. Mais j'aime beaucoup l'idée. Après, ça, c'est du jeu, à part les côtés un peu flip, c'est du jeu un peu détente. Hein. Là, on va être bien pour le feu. On va essayer d'agrandir un peu pour que les gens puissent quand même continuer de travailler. Ah, effectivement. Un étrange homme arrive au camp. Il semble plus fort que n'importe quel membre de la tribu. Son apparence, un peu, en gros, il porte de la fourrure de mammouth. Enfin, en gros, il a l'apparence d'un ours géant, tellement qu'il est barbu et touffu et qu'il a avec ses vêtements de mammouth. Il dit quoi ? Il dit « Je suis ici pour faire quelque chose pour vous. » Il parle avec un étrange accent. Aujourd'hui, je peux pas vraiment vous venir en aide. Enfin, je peux pas rester. Mais je reviendrai dans 3 jours avec 50 pierres. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Ah non. Non, il reviendra pour prendre 50 pierres. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez en échange? 3 jours, 50 pierres. On en a que 10. Alors soit on lui dit, vous pouvez compter sur nous. Soit on lui dit d'aller demander de l'aide ailleurs. Si tu m'envoyais Babar, tu peux. Enfin, je revois, est-ce qu'on avait une qui était un peu forte d'alerte? Ouais, je revois. La babar, je crois que je l'ai un peu baissée. Il y en a une sur la boutique de babar. Par contre, elle spam et... Elle est costaud. Très bien d'avance. Je voudrais bien essayer de l'aider, mais j'ai un peu peur de pas pouvoir. Et re Grinch. Ah, t'as eu une coupure Twitch. Bah, point d'exclamation shop. Et tu vas avoir le lien qui va t'emmener sur la boutique fidélité de la chaîne. Et avec la monnaie de la chaîne, bah, tu peux prendre des sons ou des jeux ou un abo. Ou... Là, faut que j'envoie là, j'ai pas revu les ça. Hein, moi, j'ai reçu les. Les timbres pour... parce que j'avais plus de timbres pour la Belgique. Je lui ai envoyé la photo dédicacée. On va essayer de l'aider, mais je sais pas trop comment. Hein. 3 jours. Vraiment, je construise rien avec de la pierre. Là, ils peuvent continuer à travailler parce que j'ai mis à fond la lumière. Après, il y a peut-être des jours où il fait plus nuit et tout. Hein. Faut se méfier. Bon, déjà, on a survécu 4 jours. Hein. C'est mieux que la première fois.
G9, ouais, ils font des bébés en fait. Hein. Ils font des bébés. Ah, ça coûte de la pierre. Après, au niveau des tentes, je sais pas s'il y a besoin de plus. Ah, c'est pour agrandir. Non, les tentes, c'est pour agrandir le nombre de bonhommes que je peux avoir. Comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Elle est plutôt simple, la boutique. C'est rangé par thématique et après, t'as juste à cliquer quand tu veux quelque chose. Moi, ça m'affiche dans le chat. On va l'envoyer au bois. Hein. Avoir quelqu'un qui fait rien, c'est pas top top. T'as utilisé un mot que je ne veux pas voir sur mon chat, Grinch, t'inquiète pas. Relis bien les règles de la chaîne et puis. Si c'est un jeu, ça peut arriver que tu aies mis un jeu que je veux pas entendre parler. Tout ce qui est langage wesh wesh, SMS, fringlé, misogyne est bloqué. Mais t'inquiète pas, y'a que toi qui le vois donc. C'est pour éviter de mettre des TO, voilà, c'est simple. Ça arrive la nuit là. Un 8 par heure, c'est bien. Ouais, je sais, ça c'est le problème, Enda. T'as dû écrire pourquoi en SMS, Grinch. Bah, c'est un jeu un peu horreur, donc il y a une ambiance nuit un peu tout le temps. Mais la journée... Il y a quand même une journée là, on est dans la pure nuit, là. Ah, tu vois. Je t'avais dit. La plupart du temps, c'est du franglais ou du SMS. Ah oui, c'est le jeu. C'est quand c'est la nuit. Un groupe d'étrangers approche du camp. Ils ont vu votre feu et décident de demander s'ils peuvent vous rejoindre. Alors soit on dit ouais rejoignez-nous, la force c'est le nombre. Ou soit nous ne faisons pas confiance aux étrangers. Notre force c'est notre unité. Alors soit on augmente la stabilité de notre groupe. Soit on descend d'un mais on a 4 personnes en plus. Qu'est-ce que vous préférez? Je vais choisir. Après, quand c'est une étude de série ou de film, là, vous pouvez coller, je vous autorise. Mais là, soit... Il y a des mots, j'y ai pensé, mais je peux vraiment pas les enlever parce que j'avoue, on a du franglais avec. Ah oui, 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 ça fera plus de récolteurs. Mais par contre, ça va baisser la stabilité de... Il y a un bonus et un malus. Et là, il y a un bonus, mais un petit bonus. Seulement, voilà. Voilà, t'as 4 contre 1, on va dire. Et là, t'as 1, mais... Après, pour le moment, je connais pas trop au niveau relation et tout. Hein, donc, je sais pas ce que ça fait de perdre un point de stabilité. Mais oui, potentiellement, ouais, plus de bois, plus de chasse, plus de tout, quoi. Vous avez une préférence? À
Un niveau de plus, Julien. Hé hé. Ça monte, ça monte. Pas de préférence. Je vais devoir faire au pif. Et quoi? Je ferme les yeux. Ah, c'était ça. Alors. J'ai besoin de la pierre, parce qu'il y a une personne qui va revenir. Déjà, comme il y a plus de gens... Il va falloir plus de viande. Et aussi... Plus de bois. Et je voudrais un autre truc pour ranger. Ah, c'est un seul par camp de... Ah, c'est un seul par camp. Il nous faut une tente de plus. Ok, d'autres gens qui veulent nous rejoindre. La semaine qui les avait fermés. Ouh là là. Alors assez de... Merde, j'ai oublié d'éteindre le feu la journée en plus. C'est-à-dire je vais pas avoir assez de bois mais j'ai oublié de l'éteindre, c'est pour ça. Les chasseurs peuvent pas y aller. Par contre, on peut avoir un peu de bois. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Et voilà Luna qui se réveille. J'aime bien. Le tuto est un peu bon. Parce que si moi ça va, j'ai un peu l'habitude de ce genre de jeu, donc ça va, mais ça peut être compliqué en une personne qui fait qui teste ce genre de jeu la première fois. Ah. Je sais pas ce que ça fait, ça protège peut-être un peu, je sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller là-haut? Il y a quelqu'un qui monte. Alors l'échelle est à la gauche, mais il monte à droite. Tout va bien. Le problème c'est que le truc de rangement il est là, donc eux, tous ceux qui sont en bas, ils doivent remonter tout là-haut, donc c'est un peu... Mais on peut en avoir qu'un par camp, donc il faudrait que je le détruise pour le mettre ailleurs, c'est un peu compliqué. Ça c'est vrai que c'est dommage, tu pouvoir en mettre juste trois par camp parce que tu en peux en mettre un, voilà, tu peux faire en triangle. Ça aurait été cool mais bon.
Par contre, c'est bien d'avoir pensé à pouvoir appeler automatiquement les... En plus, toi, t'entends le son, donc tu sais que c'est le moment d'allumer le feu. Après, le côté feu, vous voyez, un peu comme... Ça fait un peu jeu de survie, par exemple, comme... comme sur Don't Starve Together, enfin, Don't Starve tout court. Bah, nuit, vous faites choper... On l'a vu tout à l'heure, de se faire choper par la main, là. C'était assez, assez épique. Il y a encore eu des bébés. Il revient quand, le gars? Dans 3 jours. Il n'est pas encore revenu. En fait, c'est dès que tu t'approches du camp que t'as le... Clic. 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 Bon, tout le monde a un boulot. Alors là, je suis en vitesse milieu, je trouve c'est pas mal. Ah, le gars est revenu, voilà. Vraiment, il a couru vers notre feu. Les flammes se reflétant dans ses yeux noirs. Il remarque les pierres que nous avons préparées pour lui. Vous l'avez fait, cela devrait lui donner une chance. Il parle d'une femme. Vous ne regretterez pas de m'avoir aidé. Alors je sais pas trop ce qu'il a fait. En gros, il fait une sorte de magie. Il fait apparaître une étrange pierre de rune qui brûle dans un nuage de lumière verte et de poussière. Sans un mot, il porte les trucs et disparaît dans la forêt. Bon, peut-être qu'il nous a... Ah non, on a perdu 50 pierres. Mais on a un progrès, nos disciples ont un progrès dans la bête. Non, les disciples de la bête progressent de 100. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est disciples de la bête contre les servants de Shepherd. Donc il y avait peut-être un truc de religion. Alors lui il a plus de productivité par exemple. Alors elle fait du bois mais elle a plus de productivité dans la pierre. C'est qui Rumphora? Voilà. Ça. C'est mieux. Certains ont des bonus. Tolérance. Stabilité. Ah ouais, stabilité. Et ça coûte des points comme ça. Ah là par contre... Ah non, il y a une amélioration à faire. Ah oui! Du coup on a des points en fait. C'est ça qu'on a... Et on a gagné 100 points là-dessus à l'aider. Alors, une décision a besoin d'être prise entre deux aspects de la des disciples de la bête. Choisissez bien. Alors ça c'est quoi?
Alors ça c'est pour reproduction sauvage. En gros, on n'a pas besoin de... Genre là on a un max de personnages par rapport au nombre de tentes. Donc en gros, avec ça, nos persos vont devenir des sauvages de la reproduction. Il va y avoir des bébés partout, même si... genre là on est bloqué à 24 avec les tentes. Mais là ils ont rien à foutre. Et ça... C'est pour le soin. Quand ils consomment de la médecine, ils vont gagner plus 1 d'expérience à chaque fois. Enfin, c'est des trucs bien, mais par rapport à la médecine, je comprends pas tout. Est-ce que vous avez une préférence? Il y a 3 religions en fait. Il y a les disciples de la bête, la mère des enfants. Non, les enfants de la mère. Son of the Mother. Et je sais plus ce qu'il y avait au milieu. Vous avez une préférence ou pas, les chocobos? Ou ça dort, hein. Ça s'est endormi. Le soin. Ouais, j'étais plus parti là-dessus aussi. Parce que pour le moment, je sais pas trop à quoi ça va servir. Reproduire, bon, c'est suffit juste. C'est vrai que ça coûte plus de bois notre détente, mais en vrai, je gère. Il faut encore 100 points. Et ça, c'est quoi les servants de Shepherd? Ça, c'est pas mal aussi, hein, ce truc. Oh putain. J'ai encore perdu ma. Ah. Vous avez vu tous les... Ah, je peux débloquer. Ah, il me faut des trucs. Waouh. En gros, à un moment donné, je vais être bloqué. Il faudra que je débloque... Oh là là. J'ai combien de bois? J'ai pas mal de bois. Bon, j'ai plus de... pour le moment de bébé, mais... Ça requiert acte 2, donc on est acte 1, on peut pas. On peut faire des fermes. En vrai, il faudrait aussi encore ça, mais j'ai pas assez. On peut être placé in the altar. Je peux pas cliquer dessus. J'ai pas assez. Je peux les mettre pourtant. Alors. Je vais mettre une petite ferme. Voilà. Un petit fermier en plus. Il va me falloir de la pierre, mais j'en ai plus pour le moment. En vrai, il me faudrait une tente de chaman. ça vous plaît ou pas? Un petit jeu. Après, peut-être à regarder. Au bout d'un moment, on aura peut-être marre, mais. Il y en a qui sont amateurs de ce genre de jeu. Bon, les prochains. Ils auront de quoi faire. Mais ça demande pas une personne. Ou alors c'est parce que j'ai pas encore assez de bébés.
Bon, les bébés sont grands, hein. Direct adulte, hein. Ça va vite, hein. Par contre, c'est automatique, les bébés. C'est vrai que des fois, sur ce genre de jeu, des fois, faut les activer, faut les lancer. Ah, moi, j'adore les jeux de gestion, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à streamer, parce que, ouais... ça fait pas pompon de partout, quoi, tout simplement. Et des fois, il y a des périodes calmes. Ah non, mais ça s'ajoute au tour, en fait, hein. Ah, il y a une exploration qui a été faite là. On n'est pas mieux, cadeau de chocobo. Merci Ben pour le follow, bienvenue. Comment vas-tu? On n'est pas mieux, cadeau de chocobo. Merde. C'est pas cette commande que je voulais faire. C'est pas grave. C'est au fait de 100 guilds pour tout le monde. Cadeau en même temps. En même temps, ça fait longtemps que j'avais pas envoyé 200. Je voulais envoyer celle-ci là pour le partenariat. Pour m'aider. Ceux qui veulent soutenir. C'est gratuit et ça aide énormément. Et c'est bon, j'ai beaucoup de bois. La nourriture c'est bien. La pierre. C'est pas mal. Après, on peut aussi mettre des petites lampes un peu partout, mais c'est assez cher en pierre. En fait, je voudrais trouver un autre endroit de pierre, mais j'ai pas. Oula. Alors, le fermier Paul Cree a découvert que une des plantes, apparemment, je pense qu'une des plantes qu'il a semées était plus. Large et douce que les autres. On a le choix de soit donner pour garder en nourriture, nous avons des bouches à nourrir. Clairement, il y a marqué nous avons des bouches à nourrir. Mais comme on a 143 en nourriture, on va plutôt choisir l'autre, d'être utilisé comme graine pour que ça améliore nos champs. Voilà. Donc pendant une semaine et 3 jours, on récoltera plus une nourriture. Pour les champs. De toute façon, c'est mieux parce que là, on manquerait de nourriture, voilà. En gros, il y a un gros épi de maïs qui a poussé, plus gros que les autres. Tout simplement. Ça je sais pas. Ok. Donc non, c'est pas. Ça doit être placé dans le monde sauvage. Donc à mon avis, c'est sur les autres morceaux de cartes. On peut pas les mettre ici. Ouais, c'est sur les autres morceaux de cartes. C'est l'acte 2. Il y a de la médecine. Après, je sais pas si c'est mis dans l'alpha. Hein. Je sais pas trop. J'aime bien la petite ambiance. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un horreur, mais c'est plus ambiance. Hein. Voilà. Même si ça a fait bizarre tout à l'heure, le bonhomme qui s'est fait choper, on a eu un mort. Sur le coup, ça fait bizarre. Hein. Quand c'est dans la forêt là-bas, on voit pas trop, mais quand c'est en plein milieu du camp. Par contre, c'est bizarre, c'est qu'ils s'en prennent que aux humains. Regardez, les bêtes, elles ont rien. Elles peuvent être dans le noir. Oh non, il y a une éclipse qui va durer 5 jours. Oh.
Ah voilà, t'as intérêt à avoir du bois. Mais est-ce qu'elle commence maintenant ou la nuit d'après? Après, comment on sait quand il y a l'éclipse? Peut-être le soleil là il se transforme en nuit. Mettre les choses un peu plus près, mais. Ça coûte aussi du bois. En vrai, quand on détruit, on récupère pas vraiment, mais. En vrai, ça sert à rien du tout là. Oui, c'est Bi, ça va bien toi? On découvre un jeu en avant-première, le jeu n'est même pas encore annoncé. De sortie, les devs m'ont envoyé une clé. Et l'alpha est plutôt cool. Hein. Plutôt cool. Hein. Si on aime les jeux de gestion, avec une ambiance un peu horreur. Ah non, dans 4 jours l'éclipse. Ok, dans 4 jours l'éclipse. C'est pas va durer 4 jours, c'est dans 4 jours. Enfin, c'était 5 jours, maintenant 4 jours. Ouais, mon anglais est encore approximatif, hein, désolé. Mais du coup, on a 5 jours pour se préparer. Bon, ça va encore. Il nous laisse un peu le temps. Il nous laisse un peu le temps. Ça va, ça va. Du coup. On est plutôt bien niveau nourriture. Ok. J'ai un dernier mot de plus. J'essaie de bouger les trucs pour que. Ça soit plus simple, mais waouh. Wow. De plus en plus loin des ressources. Ah ouais, il y a une éclipse là. En fait, ça, c'est les jours. La ligne, ça, c'est les jours. Vous voyez, le 12, là, on est le 11, ça va être le 12. Et ça, c'est la journée. C'est cette ligne qui me... Au début, j'ai cru que c'était les heures, la ligne, mais non, c'est les jours. Donc là, le 15, il y a l'éclipse. Ok. Eh ben, ça va, je touche pas au bois pendant ce temps-là parce que. Au début, mon cerveau a pas fait le lien entre l'éclipse et le jeu. Ah, t'as cru qu'il y avait une vraie éclipse? Désolé. Franchement, je sais même pas si je serais pas la première au courant s'il y avait une éclipse. Je regarde pas les infos. Comme vous savez, je suis hyper sensible et les infos, ça me. Met pas bien à chaque fois. Donc... Si un jour il y a une éclipse, vous me le dites. Hein.
Moi, je serais la... Moi, il pourrait avoir une météorite qui s'abat sur la Terre, je serais la dernière en courant. Vous le savez. Ouais, bah, ça me met trop mal à chaque fois les infos. La dernière fois que j'ai regardé les infos, c'était un petit garçon qui avait disparu. J'ai fait bon, c'est bon, j'éteins la télé. Ça sert à rien à part se faire du mal. C'est vrai, hein. Parce que j'ai des gens qui ont pas de boulot. Ça va. Ils ont arrêté de faire des bébés. Comment ça, vous faites pas de bébés? Et je leur mets une tente pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils fassent des bébés. Ah, une nouvelle ressource. Ah, c'est ça pour faire des... La médecine. Oh. Tu peux mettre sur chacune des trucs là. Je peux pas, c'est rouge. Et ça, je peux mettre que sur certaines cases. J'allais dire, il rentre pas, lui. Faites des bébés, faites des bébés. Dans 2 jours. Ah, la pression. Y a plus de cailloux ou quoi? Si. Peut-être que ça coûtait des cailloux, ça. Ah putain, ça coûtait des cailloux. Ah bah vraiment, chèque. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Oh merde. C'est dommage que je peux pas faire 2 trucs comme ça. En plus, tu peux même pas la supprimer pour la mettre ailleurs. T'as intérêt à bien la placer au début, hein, parce que moi j'aurais pas dû la placer là, j'aurais la placer là. Quoique ceux qui sont tout là-bas, ils doivent tout traverser, c'est compliqué. Ah, la douloureuse. La douloureuse. Merde, je vais éteindre le feu. Faites votre lit et les tentes sont... Apparemment, les tentes sont sales et ils disent qu'il faut faire quelque chose, qu'ils peuvent pas dormir là-dedans. Alors, soit on leur dit vraiment, il y a de plus gros problèmes que ça pour le moment, mais ils vont mettre plus de temps à dormir. Soit on nettoie les tentes, mais ça va nous coûter ça. Ne me dites pas ça, je sais pas si je vais pouvoir faire le plein du coup. Bah c'est une influence, mais alors tu vois, ça a des... Comme elle a 63, ça me fait des bonus. Mais j'avoue que je sais pas trop ce que ça signifie, ce qui a marqué. Bah ils vont dormir plus longtemps. Plus 15, mais alors plus 15 quoi, minutes, secondes, enfin secondes, je sais pas. Ils passeront plus de temps à dormir. Oh.
En vrai, il y a plus gros problème que dormir qu'il a une tente propre. Après, s'ils en avaient pris soin de leur tente aussi, là. Hein. Et re-Grinch. La première, non? La première, je pense. En fait, c'est l'influence, ça a l'air d'être important, donc... Faut que je kill Gunnabus. À faire ça, hein. Ah, il y a eu un bébé. Mais il est occupé. Ah, il est parti faire de la médecine. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Pas d'autres qui ont des bons qui sont bons dans quelque chose pour un métier. Et bientôt putain là, elle va durer combien de temps l'éclipse ça? Ah, le bois il est trop loin maintenant. Un membre est en choc. Quarante par heure. Avec lui. Ah oui, il reste près de la lumière. La peur descend, mais on va le mettre au minimum parce qu'il est collé au feu. Il y a une pleine lune qui arrive et il y en a qui ont en état de choc, putain. C'est vachement le moment. C'est vachement le moment. Bon, il faut qu'on tienne la pleine lune qui dure un moment. Pas trop la différence. Oh là là, l'éclipse. Le soleil a disparu et un étrange brouillard arrive tout autour de nous. La lumière du feu nous protège, mais il y a quelque chose dans l'obscurité, attendant que notre flamme s'éteigne. Oh putain, la peur des gens, plus 20, moins en soleil. Plus 100 de chances qu'on meure de l'ombre. Alors ils sont tous en état de choc, génial. Bon maintenant faut survivre.
Alors lui il va quand même miner, lui il a rien à foutre. Lui je l'aime bien lui, c'est mon chouchou lui. Rien à foutre. Est-ce stylé hein, la tempête de l'éclipse. J'ai éclairé un peu plus, il y en a deux qui sont partis bûcheronner, donc ça doit avoir un effet. Mais c'est vrai qu'on voit pas trop bien la portée du feu. Oula. La peur a pris le dessus sur la tribu et a conduit les gens à d'extrêmes mesures. Un membre de la tribu. En gros, veut faire un sacrifice. Mais un sacrifice de qui? Ah, veut se donner en sacrifice peut-être. Nous devons donner à la brume ce qu'elle veut. Un sacrifice d'une vie nous ramènera le soleil pour sauver tout le monde. Ah non, il a chopé quelqu'un. Le membre essaie de se libérer, demandant aux autres de l'arrêter. Les autres sont terrifiés de voir, enfin, de ce qu'ils sont en train de voir. Et attendre une intervention. Arrête ça, attends que juste attends que l'éclipse passe. La nourriture serait un excellent sacrifice. C'est vrai qu'on en a assez. Et là, en gros, on sacrifie la personne. On va donner de la bouffe, on en a plein. Et les gens deviennent fous, voilà, ça y est, ça commence. Ça, j'ai beaucoup de nourriture. GG Apple et CB, un niveau de plus. J'ai 8 membres qui sont en état de choc, c'est génial. Génial. Oh mais il est vraiment cool hein. Et je m'attendais pas c'est vrai que les alphas, en général m'attend à plein de bugs, à qu'on peut pas trop... Ça arrive des fois, c'est un peu galère à jouer. Mais là, c'est cool. Juste tu as recommencé parce que le tuto était un peu dur pour moi, enfin un peu léger. En vrai, il y en a plusieurs qui travaillent, mais les autres sont en état de choc. Du coup. Ce que ça fait ça. Ah, dans 22 heures on pourra faire un nouveau je sais pas trop, j'ai du mal à la traduire ça. Eh ben...
Il y en a beaucoup qui sont en état de choc. On va tenir bon, c'est la fin. C'est la fin de l'éclipse. Alors, elle a duré plein de jours, cette éclipse. Au moins, il y en a un qui fait son... Ah non, mais le tac-tac, c'est peut-être pas le camp, c'est peut-être lui qui tape. Je crois que c'est lui qui tape sur la pierre, en fait, le tac-tac. Pas le tic-tac de l'air, hein. Le tac-tac de la pioche. On va réduire un peu notre utilisation de bois, là. Minimum pour la fin de cette éclipse. Et oui, oui, oui. Et oui, oui, oui. Je sais pas si ma clé elle sera toujours valide à la sortie du jeu, sinon à la sortie ce sera avec plaisir. Hein. Je sais pas du tout. Pas réussi à avoir ces infos là donc. Je ne sais pas. Contrairement au jeu de Cendrillon version glauque qu'on avait fait, j'ai plus le nom. Et normalement, j'aurai une clé aussi à la sortie. Là, je sais pas du tout. Et souvent, quand il y a les alphas et tout, j'aime bien vous faire un peu un test. Tester et tout. Quand ça sort, on se fait un vrai let's play ou un peu plus, enfin, en fonction de si vous aimez ou pas. Parce que bon, en général, les alphas, bah, ça me l'a fait avec Sandrock là. C'est que du coup, il y a des trucs qui bug et tout, puis ça nous dégoûte un peu du jeu, puis tout recommencer à zéro. Voilà. Allez, on va avoir assez de boue pour la fin ou pas? On est vraiment sur la fin. En plus, après, il va y avoir la nuit. Hein. Juste derrière. Ils sont en train de danser, là, comme des fous. Tous défoncés, là. Ça a augmenté notre influence. Et apparemment, ça fait 5 par jour d'influence. Ouais, je sais qu'on a presque plus de bois. C'est la fin. Le chasseur a disparu. On va les calmer avec un peu de ça. Regardez, regardez là, ils sont tous en train de mourir. L'éclipse s'est passée. Juste parce que sur la fin il manquait du bois. Et la longue nuit a pris fin. Mais les horreurs sont encore là.
acte 2. Même si nous avons survécu à l'éclipse, nous avons réalisé que... En gros, tout ce qu'on avait n'était pas suffisant. Okay. Donc ça, c'est les paires qu'ils peuvent avoir. On peut choisir ou pas? Ah, je choisis peut-être. Je sais pas si je choisis. C'est pour que les constructions coûtent moins cher. Ça, c'est pour que le spiritualisme monte. Les besoins sociaux moins 20. Plus de productivité des fermes. C'est la même chose. Ah non, ça c'est des améliorations de construction qui coûtent moins cher et ça c'est des constructions qui coûtent moins cher. C'est tout. Tout ce qu'on débloque, c'est pas en choisi. Ah, c'est la fin. On aura testé. Mais là, c'est la fin parce que ils sont tous en état de choc. Il n'y a plus personne pour faire du bois. Donc ouais, si tu passes pas l'éclipse, tu passes pas l'éclipse, hein. Mais il manquait pas grand chose, j'aurais dû mettre moins de bois à un moment. Mais là, ouais, ils sont tous en état de choc, donc c'est mort en fait. Est-ce que pour... il faut allumer le feu pour qu'ils baissent leur peur. Voilà. Bon, moi, vous aurez vu l'acte 1. Ouais, dommage, pas grand chose, mais tu vois, une fois que tu sais, c'est bon, mais sur la fin, en fait, j'avais c'était fini, si tu veux, c'était fini la lune, là. L'éclipse, c'était fini, mais en fait, elle s'est finie sur un moment de nuit, sinon c'était bon, hein. j'avais perdu juste 3 personnes, mais comme il y a eu la nuit juste derrière, bah voilà. Voilà. Mais même le menu du jeu est vraiment sympa. Franchement, pour une alpha, ouais, je trouve ça vraiment cool. Après, apparemment, on pourra éditer les cartes. Et ça, c'est peut-être Pick Tribe. C'est peut-être. Peut-être qu'on pourra designer. Customiser nos persos, nos petits bonhommes. Peut-être, je ne suis pas sûre. Peut-être, peut-être. Ça va, vous avez bien aimé? Ah, il est vraiment sympa en tout cas. Mais voilà, je connaissais pas avant de voir que chercher des streamers pour le jeu et j'ai regardé ce que c'était. Je me suis dit, ouh, ça a l'air d'être sympathique. On va essayer, on va voir. On va tester. J'espère qu'à vous, ça vous a plu. Mais graphiquement, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. On va aller sur les... On va finir en beauté sur nos petits hamsters. On faisait quoi sur les hamsters? Ah oui, c'était la salle de sport, là. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ça. Du coup, petite pause. Je vais vous remettre les Pokémon aussi.
Je les avais enlevés parce qu'avec le sous-titrage, Kaoka avait une autre cinématique. Petite pause tranquillou là pour aller chercher à boire. 2-3 minutes. Et on va faire notre défi, on va continuer notre défi. Le défi sub qui a été atteint pour l'anniversaire de la chaîne là. On s'occupe de petits hamsters pendant un mois. Je prendrai le DLC quand on finira les quêtes classiques du jeu. Le DLC en plus c'est Halloween, donc comme ça on sera parfait pour l'ambiance bientôt avec le petit hamster. Hamster d'Halloween. Mais j'arrive tout de suite, merci à ceux qui restent avec nous. J'arrive tout de suite.